Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis en direct de Dreux avec la C15. Ça va ou quoi, les gars? Tranquille, ouais, tu vas bien? Au calme, on est là. Déjà, on est où en fait là? Non, on est au B15, on est au Chamar, quartier des Arènes. Dreux, 2800. Là, on est avec les gars. En mode bien. Wesh, les gars, dis bonjour. T'as un truc, les gars, wesh. Bon, du coup, les C15, ça vient de se battre là ou quoi? Ouais. Le nom C15. Le Asie C15, parce que bah, déjà, le 15, c'est le bâtiment. Et le C, ça représente les Chamars, t'as capté? C'est le nom du quartier. Voilà. Bon, je vous laisse vous présenter aussi chacun votre tour déjà, frérot. Vas-y, tiens, commence. Moi, c'est Tixi, rappeur, j'ai 20 ans, sénégalais. Et vas-y, ça fait à peu près 3-4 ans que je rappe. Moi, tu connais Sneaky, rappeur de la C15. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans, je rappe aussi, pareil. Plus les deux qui rentrent dans ta tête, ça tabasse, ça vole, ça gile. Ça tabasse, ça vole, ça gile. Ça tabasse, ça vole, ça gile. La C15 impliquée dans tous les deals. Ça tabasse, ça vole, ça gile. Ça tabasse, ça vole, ça gile. Ça tabasse, ça vole, ça gile. La C15 impliquée dans tous les deals. Il y a des clips ici même ou quoi? Ouais, bah la plupart des clips on les a fait ici. Là dans le bâtiment, tout ça. Après, dans le quartier. Ça a commencé ici. On a commencé nos premiers textes ici. Les premiers sons. Les grands, ils nous écoutaient déjà, tout ça. Ça fait que là, maintenant, c'est que ici en vrai, hein. C'est que au quartier, c'est que là. Ça a commencé ici, on traîne ici, on se pose ici. Ça a commencé ici, ça a fini ici. Voilà, tous les jets, c'est ici. Tu m'as 15. Vas-y, venez, on va faire un petit tour, on va montrer. Ouais, c'est parti. On va montrer tout ça. Bon, déjà, c'est comment? Vous avez commencé quand le groupe? Vous avez commencé à combien de temps? En vrai, tiens, tu veux parler? Ouais, vas-y. De base, c'était ces 15 gangs, tu vois. Ces 15 gangs, on était 4. Tu vois, il y avait moi, Tixi, Suki, Lasco et TP. On était 4, on rappait à 4, tout ça. C'était il y a à peu près 3 ans vers les fonds du confinement. Mais dis quoi les gars? On a sorti 2 sons. On a sorti Rentre dans le bloc et Pas de concu. Et après on a fait une petite pause. On s'est séparés en deux. Maintenant ça a fini que nous deux et on a gardé la séquence. Voilà. Et ça a clippé où un peu ici par là, là? Ça a clippé. En vrai, on a clippé dans le parking déjà là. Ouais, devant le bâtiment. Devant le bâtiment. Après on a clippé au terrain là-bas là, juste là. On a clippé là-haut. Après notre dernier clip là qu'on a fait, bah tu connais, on était en voiture. Ça veut dire on a fait le tour du quartier un peu. On a dû clipper là-bas et un peu là-bas aussi là. Là-bas il y a une école, on a clippé là-bas, en mode bien. Bon puis vous m'avez dit ici, si c'est grand, il y a quatre quartiers en fait réunis, c'est un grand ensemble, vous m'avez dit. Ouais. En gros, il y a les résidences, Conville. Ouais, Conville, c'est là-bas là. C'est vers là-bas. Là, on est au Chamar. Tu vois les bâtiments jaunes, il y a deux côtés, il y a en haut et en bas. En bas, là on y va. On descend vers le bas. Et là on est en haut là, t'as capté? En haut il y a les grandes tours. Le voir là. Voilà, après il y a les petites résidences en mode bâtiment jaune. Ouais. Bon là on est au plein milieu du quartier, à la place des Auréles. Là tu vois là il y a le tabac, là-bas il y a la boulangerie, il y a un grec là-bas, il y a un petit grec du quartier. Après il y a la boucherie, il y a à peu près tout ici, hein. Bon, c'est le centre du quartier. Et... Tu vois, ça va se ravitailler, ça vient manger. Voilà. Tu connais les anciens expos, ils fument. Ouais. Comme d'hab, ça change pas, voilà. Tu connais, voilà. Ça change pas. Mmh. Bon, pas que ici, mais dans tout Dreux, est-ce que ça mange bien en général? En vrai, ça mange bien. Là, il y a des bons grecs, tout ça, il y a des bons trucs. Voilà, il y a des bons trucs. C'est réel, ouais, il y a des bons trucs. Il y a des clips qui sont faits ici un petit peu ou quoi? Ici? Ouais, on a fait quelques scènes, mais pas trop encore. On n'a pas encore exploité. Ouais, sinon, ouais, en vrai, non. Il n'y a pas eu trop de clips ici, hein, je te mens pas. Il y a d'autres rappeurs un peu à Dreux, pas à Dreux, au Chamois. Au quartier? Ouais. Bah. Il y a lui là. Bon, lui, il rappe pas, il arrive bientôt. T'inquiète même pas, les clips sont jamais en lice. Sinon, ouais, après, il n'y a que nous sinon. Ouais, y'a que vous qui avez lancé des clips vraiment. Ouais, quoi. Ici là, ouais. Après, vas-y, y avait des anciens encore. Il y avait des anciens, tout ça, mais vas-y. Ils ont arrêté le rap. Ouais, actuellement, y'a que vous, quoi. Ouais, là, y'a que nous, là. Là, dis-toi, là, on va en bas. En bas des Chamars, comme on t'a expliqué tout à l'heure. Là, c'est une des parties du quartier, t'as capté. Là, on est en bas, là, y'a que des tours jaunes. Et vas-y, c'est quand tu descends les escaliers du centre commercial, le plein milieu du quartier. Ouais, t'arrives direct en bas. Bon, sinon, Dreux, il y a presque tout le monde qui connaît de nom, au moins, tu vois. Mais il n'y a pas encore de rappeur qui a vraiment tout pété. Je sais qu'il y a Dilok qui commence à se faire connaître aussi, mais il n'y a pas vraiment de grosse tête d'affiche à Dreux. En vrai, ouais, non. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez d'ici peu, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui. Ouais, c'est possible, hein. Franchement, on y croit. Et après, il y
Il n'y a pas cette visibilité, tu vois. C'est ça, carrément, il faut qu'on se donne la force entre tout le monde. Toute la ville, il faut qu'on se donne la force. Parce qu'en région parisienne, tu vois, ils sont plus nombreux, ça veut dire les clips, ils tombent plus. Ouais, il y a plus de monde. Alors que ici, vas-y, c'est à côté de Paname, mais... C'est un peu vers la Coms aussi, t'as capté. Ça veut dire la visibilité, elle est hard un peu, elle est dure à avoir. Ça veut dire que vous trouvez ça, c'est comment un peu ici la mentalité? Ça se rapproche plus de Paname ou plus de la région centre? Ça dépend. T'as vu, il y a des quartiers, en gros, comment t'expliquer? Il y a des quartiers, ils écoutent un style de musique différent d'une autre. Nous, par exemple, nous, on est plus branchés dans la musique de la nouvelle génération, la actuelle. Et t'as vu, il y en a, ils sont plus dans la musique de l'ancien temps, tout ça. L'ancienne génération, les bails de, je sais pas, Booba, ça, la crime, tout ça, t'as capté? Alors que nous, c'est plus les nouveaux rappeurs qui sont là actuellement. Ça écoute qui, vous, par exemple, en ce moment? Des mecs de la nouvelle génération. Ouais, Renoir, Kershak, Yaki, Codes. Plus des mecs de Paname. C'est collé à Paname ici, en fait. On est vraiment collé. On est à quoi? On est à 40 minutes du 7-5 par lui-même. Ouais. Et vas-y, pour arriver dans le 9-3, on est à quoi? Une heure. Après, 7-8, c'est 10 minutes. 35 minutes, ça dépend. Ça dépend de comment tu roules, tout ça. Et après, voilà. C'est-à-dire, vous allez enregistrer où? Sur Paname, j'imagine. Ouais, nous, on va sur Paname. Ici, il n'y a pas de studio, il commence à se réveiller. Après, il y a un studio, mais vas-y, c'est à Chartres. Vas-y, on y allait. Moi, je suis allé une fois là-bas, personnellement. Après, eux, je crois, ils sont y allés 2-3 fois. Avant, ils sont y allés 2-3 fois. Après, c'est tout. Hein. Sinon, on va que sur Paname, que sur Paris. Voilà. Du coup, comme ici, c'est pas Paname, c'est région centre et tout, c'est une plus petite ville et tout. Ouais. Est-ce que t'as eu, quand ça commence le rap, ça parle un peu plus, t'as eu, ça dit des trucs. Parce qu'à Paname, c'est pas trop comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ça. Il y a plein de villes comme ça, genre ça juge un peu les nouveaux rappeurs, ça boycotte un peu, tu vois. Ça va, ça donne la force à peu près partout. Ça va. Pas beaucoup, mais ça va. Il y en a, ils sont là, ils nous donnent la force, et nous, pareil, on fait pareil, on donne la force. Je connais, c'est la ville, c'est le quartier, on fait ce qu'on peut. Là, on est en bas, c'est ça? Ouais, là, on est en bas, là. Ça a clippé là ou quoi? Ouais. Nous? Ouais, si, les anciens clips. Les anciens clips, on les a fait. Ouais, on les a fait ici. Après, il y avait un rappeur aussi, il a clippé ici. MLK. MLK, il a clippé ici. Et là-bas, il y a un terrain, il y a un synthé là-bas. Ouais, il y a un synthé. Il y a un city, et ouais, ça avait clippé là-bas. Après, c'est tout. Ici, vous avez les keufs juste dans le quartier. Ouais, mais vas-y, il ne faut pas chier, tu vois. Ça a très bien commencé ici. Mais après, tu vois, il n'y a que dans notre quartier où tu vas voir un commissariat. Ah, des autres quartiers de Dreux, il n'y a pas ça? Non. Moi, je ne sais pas, je pense pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un ici. Il y en a un au centre-ville, en plein milieu. Et après, il y en a un ici. Ouais. Vu qu'ils sont là, quand vous avez clippé, quand vous clippez ici, ils ne cassent pas trop les couilles? Si, une fois. Notre premier clip, ils nous ont vraiment cassé les couilles, mais c'était pendant le confinement. Ça a clippé pendant le confinement. Le premier jour du confinement. On avait clippé et... Vas-y, c'est parti en chasse, tout ça. Ouais. Ça, c'est une bonne anecdote. Ça s'est fini comment, l'anecdote? Ça a repris le clip. Ça a repris le clip, du coup. Les gens se sont fait courser, tout ça. Et on a perdu des gens sur la route. Il y en a, sa jambe, elle s'est pétée. Et donc, du coup, après, ça a repris le clip. Ça a repris le clip comme c'était. Après, et voilà. Ouais. On a réussi à le finir. Et c'est notre tout premier clip. C'est le premier clip, tout ça. Et c'était juste au début, ça s'est mal passé. Mais après, vas-y, tu connais. C'était carré, ça s'est bien passé après à la fin. C'est pas trop dur de trouver des clippers, des studios et tout ici. Au début, on a galéré. Ouais. Au début, on a galéré, mais vas-y, tu connais, on avait des potos à nous, ils rappaient, ils étaient branchés avec. Comment il s'appelle le clipper? Amea, c'est un mec d'ici, c'est la ville d'à côté, c'est un mec de Vernouillet. Et ça veut dire. On s'est branché avec lui, quoi. Nos premiers clips, on les a commencé avec lui. Après, on a fait 2-3 clips avec lui, et après, on a changé, on est passé avec un bon gars à moi, 800 Ace. Ouais, c'est ça. Ah, bien, bien. 800 Ace. Après, depuis nos deux derniers clips, on a fait avec lui. C'est ça. Mais sinon, au début, c'était compliqué, les clips. Pour trouver un clipper, tout ça. Parce que dans la ville, il doit rien avoir, non? Ouais, c'est. En vrai, on est dans une ville, il manque beaucoup de trucs, je te mens pas. Il manque vraiment beaucoup de trucs. Mais sinon, vas-y, ça va, on fait comme on peut. On fait avec ce qu'on a, et après, on cherche. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est compliqué de rapper quand tu viens de Dreux ou quoi? Ouais, en Sarre, ouais, c'est compliqué.
faut vraiment que tu sois, comment dire, faut vraiment que tu connaisses, que tu connaisses des gens tout ça en mode bien, sinon c'est foutu en vrai. Là, on est en plein milieu, on est en haut. Ouais, il y a le terrain, il y a le parc, il y a. On a fait des scènes ici, portier. Ouais. On a fait Billy 1 ici. Voilà, fumigène, tout ça, propre. Mais après, ici en été, c'est là où. Tout le monde se pose. Hein. Les daronnes, les darons, les petits. Même nous, hein. Même nous, ça fait du foot, barbecue. Ça dépend. Justement, est-ce que, vu qu'on est au bon endroit pour le dire, est-ce qu'il y a des bons joueurs qui viennent de des Chamois? Question délicate. Non, en vrai, il y en a. Ça se débrouille, ouais. Il y en a, mais moi personnellement, je les connais pas. Moi, après, nous, on n'est pas trop fous. Ouais, t'as capté, nous, on n'est pas fous. C'est que quand on était petits. Tu vois, nous, c'était quand on était petits, on jouait tout ça. Maintenant, vas-y, les petits se débrouillent bien. On n'est pas trop fous. Ouais. Sinon, ouais, c'était que quand on était petit. Quand on était petit, par contre, on était bon. Hein. On était très très bon. Mais après, dans la ville, ouais, il y a eu des bons joueurs. Lui là, il est très très fort au foot. Lui là. Tiens. Après, il faut cacher vraiment, j'arrive vraiment à cacher. Alors, on va faire une grande tour, tu connais. Mais c'est tout en haut des Chamars. Tout en haut, c'est le dernier bâtiment. Vas-y, on va monter là-haut. Ah, c'est le toit du coup ici. Ouais, ici, ouais, quasiment. On est dans les escaliers de secours. Bon, les gars, alors, on voit quoi d'ici un petit peu? Ah, on voit un peu l'ensemble de la ville ici. Hein. Ouais, on voit tout. On voit tout. La belle vue. Là, il y a le 15. Il y a le bâtiment là où on traîne. On est en haut. Là, tu vois bien en haut. Tu vois le centre commercial là-bas. Après, en bas, là, il y a les trois grands tours. Comme on t'a dit là-bas, il y a la zone pavillonnaire là, contre ville. Là-bas, la zone pavillonnaire, la résidence, contre ville. Les bâtiments rouges, c'est la Trottinac. Voilà. Après là-bas il y a l'hôpital, il y a les autres quartiers là-bas, 14, tout ça. Après Drenard, tu vois pas trop, c'est un peu loin. Ouais. C'est-à-dire Paris, c'est quelle direction c'est? C'est là-bas. C'est là-bas, par là-bas. Paris, c'est là-bas. Ah ouais. C'est-à-dire on voit un peu des endroits où vous avez clippé d'ici là. Ouais. Là, en dessous du parking ici, il y a le 15. Il y a en dessous du parking là, juste là. On a clippé en bas ici. On a clippé au terrain. On a clippé l'intérieur dans le bâtiment rouge. On a clippé là-bas vers les bâtiments rouges. Là, on voit à peu près partout. Hein. Ouais. On a clippé dans le bâtiment ici. Même dis-toi là-bas, ça a clippé. Tout là-bas, là. Ouais, tout là-bas, vers là-bas, là. Vers l'autoroute. Dans les coins cachés, là-bas. Vers la forêt, là-bas. Ouais. Ça veut dire que ça, c'est plus les Chamars, ça. C'est un quartier à côté. C'est la Trottinac, c'est les Chamars. C'est pas ouais, en vrai, c'est les Chamars. Ouais, il n'y a qu'une route qui ne sait pas. C'est comment ça, c'est encore des Condés dans la. Ouais, la tête, hein. On leur dit, y'a pas de délire. Y'a pas de délire. Alors, on est de retour au 15 là, du coup. Retour au 15, je connais. C'est là. Là, on est de retour au B15, hein. Je connais. Là... Bon, c'est quoi les projets aussi, un petit peu, là, pour la suite? Là, on a sorti notre série de freestyle Bully. Ouais. On a sorti le 1, le 2, le 3, il est en préparation là. On va sortir. Après. Voilà, on va continuer et après on va partir sur un nouveau délire un peu. Ouais, la drill, ça y est, on va changer. Vous avez pensé à faire quel genre de délire pour changer de la drill? Tu vois, du old school. Old school, ouais. Un peu old school, tu vois, un peu type Niax, ouais, Renoir, tout ça. Un peu à l'ancienne. On voulait se lancer sur ça. On va voir après comment ça va prendre tout ça. Alors, il y a qui d'autre comme rappeur à peu à montrer ici? Je connais. Ouais, moi, c'est JRK. Je suis au 14. Je suis rappeur de la ville, je connais. Si, il s'encule là. Ah, ouais, ça va être chiant. J'ai sorti un son. Là, moi, ça va être dire. Depuis, j'ai rien sorti, mais ça arrive, tu vois. On travaille dessus et voilà quoi. C'est quand le feat avec la séquence? Non, 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 va loin, va arriver, toi, c'est sûr que ça va se faire. Après, tu vois, moi je suis dans l'optique où pour l'instant on fait chacun nos bails, tu vois, on maîtrise bien la chose. Et après, quand ça sera le moment, quand ça sera le moment, tu vois. Là, moi je préfère me concentrer sur mes projets et eux aussi, tu vois, je pense, parce qu'ils ont, fait quoi, 2-3 clips, tu vois. Bien faire des clips, bien avancer. Bien avancer et après, tu vois.
Après, on fera des filles de ça, mais ça va se faire, c'est sûr. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et à lui, il arrive. Et à lui, là. Il y a lui aussi, il arrive. Ils ont rien sorti, mais. Et à lui, il y a lui aussi. Mais comment, vous avez rien sorti ou quoi, les gars? Non. Je connais, mais pour l'instant, on prépare. C'est pas grave. J'ai raison de faire bien. L'osmo. Carrément, ils sont bons en plus. Ils sont bons. Et lui là, c'est pour bientôt. Moi, ça arrive très bientôt. Ça arrive très bien. Il y a eu ça se brancher sur Insta. Ça arrive très bientôt. Bon, comme on a dit, on est à Dreux. Ça fait longtemps que je suis pas passé à Dreux. Ça veut dire que je vais savoir un peu si ici vous trouvez qu'il y a des trucs différents des autres villes. S'il y a un truc qu'on trouve à Dreux qu'on trouve pas ailleurs. Que ce soit, je sais pas. Façon de parler, ouais, un truc spécial ici. Le langage qui change, c'est vrai. Il y a des mots qui changent. Tous les mots qu'il dit, c'est le vocabulaire chez nous en mode, t'as capté? C'est un quartier légendaire, tu vois. On a notre vocabulaire, on a tout. Tu vois, c'est ça la différence entre nous et les autres. Le reste, un peu. Ouais, voilà. Ouais, comme on a dit, on est à Dreux. Bon, j'imagine ici c'est un peu comme partout aussi, mais ça, c'est quoi votre meilleur souvenir ici? Le truc que vous avez, qui vous reste le plus en tête ici à Dreux? Ouais, déjà la solidarité, les rixes, il y a eu des rixes, tu vois. Ouais, voilà. Et justement, Dreux, c'est soudé entre les quartiers, ça s'aime bien et tout, ou c'est au contraire, c'est la guerre? Ouais, oui et non. En fait, ça dépend des générations. Ouais, il y en a, ils se mélangent pas. Comme nous, par exemple, nous, bah, que entre nous, on se mélange pas trop. Après, ça dépend les mentalités. Ouais, ça dépend. Surtout les générations. Bon, dernière question, les gars. Celle-là, c'est la même tout le temps. Chaque vidéo, c'est toujours la même. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Ah, moi, personnellement, c'est le PSG. Hein. PSG, ouais. Moi, je t'aimerais pas. Moi, le foot, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, vas-y, je vais dire PSG aussi. Mais moi, je suis pas footeux. C'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suit? Ah, moi, mon Insta, c'est Tixi15. Et mon Snap, c'est Tixi15 aussi. Moi, Insta 2K du 15. Et Snap aussi, c'est. Attends. Bon, ça va être écrit, hein, de toute façon. 2K du 15 aussi. Ouais, 2K du 15, les deux. Insta et Snap. 2K du 15. Ouais, après, il y a le Insta du groupe. ACK, du bois officiel. Allez, suivre l'inconnu du net. Ah bon, TikToker. TikToker. Ah, ça vient d'ici aussi, ça? Ouais, ça vient d'ici, hein. Voilà, ça vient d'ici. Bon, tout est bon, les gars. Merci beaucoup, en tout cas. Et ça enchaîne sur freestyle, alors. Bah, vas-y, y'a pas de galère. Il me faut des tas gros et du temps. Et si ça marche, moi je vais pas me la raconter. Tu disais que t'avais pas mon temps. Aujourd'hui c'est sûrement que toi tu veux compter. Je les vois derrière qui calent. Loin de la vie, je me barre vers les calanques. Les stances, elles veulent toujours nous égaler. Des buts, tout ça, mais je suis pas très galant. Voyons depuis la CP. Si y'a bagarre, y'a personne qui sait pas. C'est le enchaîné, on le touche à siété. Le PNF, tu connais, c'est pas pour la Ciota. Ciota, au nojo, ça s'éteint. C'était des objectifs et les étendre. Faut faire un max, faut faire un butin. Trop d'envieux, mon poteau, ça devient embêtant. J'enroule un pour m'adoucir. Un peu trop chargé, ça me fait tousser. Giro derrière, cache tout dans ta poussie. Non, mon pote, c'est pas toi, tu m'as poussé. Ça raide même le jour de la Toussaint. Si tu je connais partout, ça peut bosser. Moi, je veux billets couleur poussin. Quand tu portes de moi, gros, il s'agirait d'oser. Attends juste un instant, histoire de bien te le raconter. Je sais ce que mes yeux ont vu, le quartier est très mal fréquenté. T'es un des matchs, la passe à escalade, pied plancher. À fond sur le périph, pas tous les risques sont en péril. Ne joue pas au débile, on a peur de dégâts. T'es mal comme moi, je dégaine. Bah ouais, que des dégâts. Normal que t'as bugué ton corps sous un buggy. J'étais ta avec mon deck, porte-le comme un dookie. J'ai rien à perdre, même si je viens à flopper. Je disparaîtrai soudainement comme Floki. Ça vient du 28, eh ouais, c'est floqué. T'as capté mon poteau, je vais pas te faire de croquis. Faut pas croquer, on sait que t'es une pookie. Hein? Non, mais poteau, moi j'hallucine. 9 des 5, 8, 6, je repars encore. Si on s'énerve, c'est toi qui aura des corps. Avec mon S/, avec toi, j'acclame, c'est génie. J'écris dans le noir, j'ai pas besoin de l'homme pour être un génie. J'ai besoin d'un micro pour que l'ingé dort. Seul Dieu connaît le jour ta mort, mais un conseil sort pas ce jeudi. Le peurage m'en va les couilles, sort un son, demande pas ce que t'en dis. Nous on est pas mauvais, mais on aime bien quand l'ambiance est tendue. 9, 2, 5, 8, 6, je repars encore. Si on s'énerve, dis-toi qu'il y aura des corps. Avec mon S/, avec toi, j'acclame, c'est génie. J'écris dans le noir, j'ai pas besoin de l'homme pour être un génie.
Un peu trop tard que les gens c'est des putes. Mais bon, chacun choisit sa répute. Tu seras un solo avec d'un coup si ça vaut le coup. On baissera ta répute. C'est capté, ils attendent le bon moment pour s'abonner. Et dire mes potes, mais Dieu merci, la plupart des aigriers sur la campagne. Face à l'un des pertes, mais laisse les spits. Ils ont pas d'équipe. Attends quand ça tire, eux ils parlent aux filles. Mais laisse les spits, ils ont pas d'équipe. Attends quand ça tire, eux ils parlent aux filles. J'ai perdu des potes, j'ai gagné des putes. Mais bon, chacun choisit sa répute. J'ai perdu des potes, j'ai gagné des putes. Mais bon, pas une histoire de cash. J'ai perdu des potes, j'ai gagné des buts. Mais bon, chacun se serait pu. J'ai perdu des potes, j'ai gagné des buts. Mais bon, pas pour l'histoire de cash. J'ai fait à l'aide par MS. Quand tu reconnais depuis que tu dans le plural, on voit son tarlet. Veux plus de bisous, veux plus de câlins. Veux que je la présente à la MS. J'ai fait à l'aide par MS. Quand tu reconnais depuis que tu dans le plural, on voit son tarlet. Veux plus de bisous, veux plus de câlins. Veux que je la présente à la MS. Okay. Sous ma caprice, je mets pas pas louché que ta caprice. Faut plus de sous. Ça tourne en boucle dans les grandes tours, les porte-paroles c'est nous. On fait du son, c'est tout. Y'a pas de gueudreau chez nous, dans des stories de ouf, c'est louche. Dans ton bloc que des claques, pas de tic, pas de tac. Vu les deux dans les bacs, y'a du crack dans le bac. Pas TikTok, prends ton bas. Dans des plaques, des coups bas, elle m'attend à la fin. J'arrive à 11, un mec dans le tas a sorti 12. Il sort dans le 13, il reste 14 de charbon. J'ai la dalle dessous et les billets résonnent dans ma tête. Comme ton calotté, on peut te faire tes sauts. Faut pas barauder, va faire tes sauts. Un paquet de je récupère chez nous, y'a pas d'âge, on achète à toute heure. Sur la console aussi, je récupère que tu m'appelles et ça à toute heure. On déboule en massif, une équipe en béton comme un maçon. Il prend une 10, mais j'ai pas de massa. Je suis en perte, le scooter est passé. Un 10ème qui repasse, puis un 11ème. Le 12ème s'arrête dans le bloc à 13ème. Cash, il repart à 14 et je suis dans le 15.